الرئيس الشرفي مدير المدرسة الأستاذ فتحي الغول، كما أود أن أشكر السيدة رئيسة المنطقة الدكتورة خيرة مسلم، كما لا أنسى السيدة الدكتورة رئيسة اللجنة العلمية كنتون بجلالة، ولا أنسى كذلك رئيسة اللجنة التنظيمية الأستاذة آسيا يوسفي على إتاحة لنا هذه الفرصة من أجل هذه المداخلة. ولا يفوتني أن أرحب بجميع الحضور السيدات والسادة والطلبة المحترمين. قبل البداية كذلك أشكر جميع الأساتذة على المداخلات القيمة والمهمة، وأعتقد أن كل مداخلة من المداخلات كانت عندها خصوصية معينة، وهذا ما يشكل في الحقيقة هذا ساتريشيس كونسيرنون سو سيميلار. لذلك المداخلة تاعي راح تكون في نفس الصدد، راح تكون عندها خصوصية بما أنه المحاضرة تاعي أو العرض تاعي راح يكون في الميدان ويكون بعنوان دونك جو في باسي على utiliser la deuxième langue du moment que ma présentation elle est en langue française. Donc, l'intitulé, avant de commencer, je vais juste demander à notre ami Sidali de baisser légèrement mon lumière, si c'est possible. Donc, l'intitulé de cette présentation, c'est l'entreprise et le tourisme sportif. Là, je vais essayer de présenter un projet de développement. Donc, je voudrais juste vous dire que ce travail, il a fait l'objet d'une réflexion au sein d'une commission, la commission ministérielle installée récemment par M. le ministre, qui travaille sur le suivi et l'évaluation de l'élite sportive. Et elle travaille aussi sur des grands projets, tels que ce projet-là, mais on a essayé de faire un travail et de le proposer à M. le ministre. Bon, je ne vous cache pas que le potentiel humain et matériel de notre pays. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est plus qu'un pays. En réalité, c'est un continent avec une superficie de 2 381 741 km². L'Algérie est considérée comme le plus grand pays africain, arabe et du bassin méditerranéen. Sur le plan humain, avec 44 millions d'habitants, on compte aujourd'hui environ 10,7 millions d'Algériens âgés entre 19 ans et 25 ans, soit un pourcentage de 30% de la population. Donc c'est un potentiel humain énorme. Sur le plan sportif, l'Algérie possède un potentiel sportif national et international très important, avec une présence régulière dans toutes les grandes manifestations sportives. Il n'y a pas que ça. Sur un autre plan, donc on peut voir que aujourd'hui, sur la scène sportive nationale, donc il existe 55 fédérations sportives réparties en sport collectif, fédérations sport de combat, des fédérations des sports aquatiques, des fédérations sports mécaniques et d'autres fédérations. Donc avec ce potentiel quand même humain et technique aussi important, donc on peut entamer et introduire un petit peu le sport dans le cadre du tourisme. Il n'y a pas que ça aussi. Sur le plan de l'investissement et infrastructure, l'investissement dans l'infrastructure sportive a donné à l'Algérie une nouvelle dimension sur la scène sportive arabe, africaine et méditerranéenne. L'année 2022, elle a été marquée par la réception de plusieurs infrastructures sportives, à savoir. Donc, il y a en 2022, il y avait quand même la réception, la réception du grand complexe sportif de Mouloud Hedfi Doran. Par la suite, il y a eu la réception d'un deuxième
on va dire, infrastructure, qui est le stack de 19 mai 56 de Annaba. Par la suite, il y a eu la réception du stade de Berate, le stade de Nelson Mandela. Et récemment, il y a eu la réception du stade de Tizi Ouzou. Et bientôt, il y aura la réception du stade de Douira. Donc, en réalité, cet investissement donne aujourd'hui à l'Algérie l'avantage d'organiser des grandes manifestations sportives. Et d'ailleurs, l'Algérie a réussi, grâce à ce potentiel en termes d'infrastructure, à donner à l'Algérie d'organiser la chaîne CHAN 23. Donc, et avant cette organisation, il est à noter que l'Algérie, quand même, a réussi à organiser un événement très important en la fin 2022, où l'Algérie a réussi à organiser quand même les Jeux méditerranéens sur Oran. Et cette organisation qui a quand même capté une large participation avec 26 pays présents et 3390 athlètes qui ont participé dans cette manifestation sportive. De cela, on peut dire que ce potentiel, il nous permet quand même d'introduire et de rentrer dans cet investissement qui est un petit peu le tourisme sportif. Quel plan stratégique pour ce projet? Donc c'est la dernière étape qu'on va développer à travers cette présentation. Donc on a travaillé sur un projet de développement concernant le tourisme et l'entreprise. Pour cela, nous avons établi une pyramide du plan stratégique de la Commission. Donc la première étape consiste à faire une collecte des données et la structuration du domaine. La deuxième étape de cette stratégie consiste à faire une démarche, c'est la démarche et les modalités de l'investissement. Et la dernière étape, qui est le sommet, c'est l'orientation et l'optimisation de l'investissement. Donc on va essayer de détailler chaque étape à part. On va commencer par la première étape, qui est un petit peu la base de la pyramide concernant cette stratégie, c'est la collecte des données et la structuration. Pour cela, nous avons établi un certain nombre d'objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. On commence par l'objectif à court terme, ou l'ensemble des objectifs à court terme. L'objectif principal de cette collecte des données et la structuration, c'est la présentation statistique des données relatives aux personnes habilitées à l'investissement dans le domaine du tourisme sportif. Et on définit le niveau de la formation et la spécialité, c'est-à-dire on va essayer de créer un listing des ex-athlètes qui ont un potentiel, qui sont déjà formés et ils ont un niveau intellectuel qui leur permet d'entamer ce monde du tourisme sportif. Comme objectif à moyen terme, nous avons déterminé un objectif principal, c'est la formation adaptée pour les futurs investisseurs en fonction de l'activité et du type et fonds d'investissement. Donc, la deuxième étape, qui est le deuxième objectif à moyen terme, c'est passer carrément à la formation. Donc, il faut former les gens à l'investissement dans le tourisme sportif. Et le troisième objectif à long terme, concernant toujours les collectes des données et structuration, c'est carrément mettre en place une plateforme numérique qui relie les deux secteurs, c'est-à-dire d'investissement, c'est-à-dire le secteur du tourisme et le secteur du sport. Donc il faudrait qu'il y ait quand même une plateforme qui relie en fonction de la demande du secteur du tourisme. On peut injecter un petit peu les gens spécialisés et formés dans cet investissement qui est le tourisme sportif. La deuxième étape un petit peu de la stratégie, c'est la démarche et modalité de l'investissement. Donc, la même chose, on a essayé d'établir un certain nombre d'objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Comme objectif à court terme, concernant la démarche et les modalités de l'investissement, donc l'objectif principal, c'est le développement et le lancement des partenariats avec les différentes structures du tourisme, c'est-à-dire avec l'Office national algérien du tourisme,
avec les différentes agences touristiques et avec les différentes associations culturelles et sportives. Comme deuxième objectif à moyen terme, le partenariat il peut être sous forme de soit des animations sportives, soit encadrement des groupes, soit initiation aux différents équipements sportifs, soit organisation d'un événement sportif. Le deuxième objectif à moyen terme concernant la démarche et modalité de l'investissement, donc, c'est de la création et le développement des petites entreprises spécialisées dans le tourisme sportif. Là, on passe carrément à la réalisation des petites entreprises. Et pour cela, les entreprises ont défini un petit peu les domaines d'intervention. Donc, soit ils peuvent être créés pour la location d'équipements et matériel sportif, soit pour la vente et la maintenance de l'équipement sportif, soit l'organisation des différentes excursions, ou carrément passer à la création des clubs privés. Le troisième objectif à long terme concernant la démarche et les modalités de l'intervention, c'est carrément l'accompagnement des petites entreprises pour le développement d'un autre niveau du tourisme sportif qui nécessite un équipement ou un investissement lourd. Et là, il faut passer carrément à des grandes entreprises. Et pour cela, développer un autre type de tourisme sportif qui nécessite des grands moyens, tels que l'élevage des chevaux. Donc l'élevage des chevaux, pour développer un petit peu le tourisme sous forme de randonnée de chevaux. Et pourquoi pas passer à l'élevage des chameaux pour développer le tourisme des randonnées avec sur chameau dans la région du Sahara. Et on peut passer à plusieurs types de tourisme sous forme de randonnée, là où on peut utiliser des animaux tels que aujourd'hui on utilise les lamas, il y a l'élevage des lamas, l'élevage des. Si vous allez à l'Inde, il y a les randonnées avec des éléphants. Donc ça c'est le premier domaine d'investissement. Deuxième domaine d'investissement, c'est un petit peu exploiter la façade maritime qu'elle a l'Algérie, elle s'étale sur une longueur de 1600 et quelques kilomètres, donc développer un petit peu le tourisme sportif ou le tourisme aquatique. Et là, on passe carrément à la création des clubs pour la plongée sous-marine et attaquer les sports mécaniques comme une source de tourisme sportif. Et aujourd'hui, on peut utiliser ou attaquer d'autres domaines du tourisme sportif qui ne sont pas exploités, montgolfières. Les montgolfières, à titre d'information, il y a une petite région au niveau de la Turquie qui s'appelle Cappadocia, qui a une superficie de 10 000 km², elle arrive quand même à faire rentrer un budget très important pour le SAM. En 2017, il y avait 500 000 d'utilisateurs des montgolfières et ça a fait rentrer au pays 70 millions d'euros juste à travers l'utilisation des montgolfières. C'est un chiffre où l'Algérie, en même temps, toute l'Algérie n'a pas réussi à dépasser les 500 000 visiteurs ou touristes en 2019. Maintenant, revenons à la dernière étape. La dernière étape, c'est l'orientation et l'optimisation. Là, il faut aussi, on a essayé de déterminer un certain nombre d'objectifs à court, à moyen et à long terme. Pour des objectifs à court terme, à travers ce projet de développement, l'objectif principal consiste
à l'orientation de l'investissement en fonction des besoins et à la demande du secteur. Ça veut dire qu'il faudrait implémenter un petit peu un système qui permet de déterminer les différents besoins concernant le tourisme sportif. Le deuxième objectif à moyen terme, c'est passer carrément à la modélisation de l'entreprise dans le secteur. Modéliser l'entreprise dans le secteur. Et pour cela, nous avons travaillé sur des modèles. Le premier modèle, on l'a appelé entreprise sportive. Donc, c'est une prestation sportive, une production sportive avec la clientèle, avec une clientèle qui cherche le loisir. Le deuxième modèle de l'entreprise, c'est, on l'a appelé l'entreprise sportive et tourisme. Et là, c'est des prestations sportives et touristiques et d'affaires. La clientèle, c'est une clientèle de loisirs et une clientèle d'affaires. Le troisième modèle d'entreprise, c'est l'entreprise à structure peu développée. C'est une entreprise individuelle, elle n'a pas besoin de, pas d'employés permanents et elle travaille en intermittent, c'est-à-dire activité saisonnière. Et le quatrième modèle d'entreprise, c'est entreprise à structure plus développée. Et là, c'est une entreprise individualisée, essentielle, qui a des employés permanents et une activité permanente au cours de l'année. Voilà. Et le dernier objectif concernant l'orientation et l'optimisation, c'est l'objectif à long terme. Plus tard, pourquoi pas réfléchir à développer carrément un centre national pour la gestion et l'orientation de l'entreprise dans le secteur du tourisme sportif. Sur ce, j'ai achevé mon intervention et je vous remercie pour votre attention.